No, your name. It's young me. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo partenariat avec la boutique Adjamon Painting. Donc j'ai Adjamon Painting qui m'a contacté le 23 août. Donc c'est Livy qui m'a contacté le 23 août en me disant « Coucou, pouvez-vous choisir ?» Alors, chose qui n'est jamais arrivée parce qu'avec Adjamon Painting, habituellement, c'est eux qui choisissent nos toiles. Là, ils m'ont contacté en me demandant de choisir une toile sur le site, une toile préférée, donc une des toiles préférées sur le site d'Adjamon Painting et qui me l'aurait envoyé avec plaisir. Donc, du coup, j'en avais choisi deux et j'avais dit qui choisissent, voilà. Donc, ils m'ont envoyé une sur les deux, celle qui vraiment, au final, celle qui me donnait vraiment, qui me faisait vraiment plus d'œil. Et ils m'en ont mis une deuxième. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Donc, je les ai ouverts hein, juste pour vous donner aussi les prix. Alors, donc, ils m'ont contacté le 23 août. Il y a eu des échanges de messages le 24 août. Le colis... j'ai reçu le récipient, enfin le numéro de colis le 25 août, donc super réactif, hein, le 23 le message, le 24 j'ai dialogué avec eux, le 25 ils envoyaient déjà le numéro de suite du colis et j'ai reçu le colis le 2 septembre. Donc franchement entre le 23, enfin franchement ça a été super vite quoi, hein, entre le contact, le premier contact le 23 août et reçu le 2 septembre, franchement c'est plutôt pas mal. Chez eux, vous pouvez acheter 3 toiles, vous en avez une gratuite. Donc du coup, il faut en mettre 4 dans votre panier. Voilà. Et ils déduiront la moins chère. Ensuite, il y a des livraisons gratuites pour les commandes de plus de 50 euros. Hein. Bon, tout dépend le cours actuel. Là, aujourd'hui, on va dire ça fait 49, et quelque chose. Donc bon, pour être sûr, regardez bien le cours actuel. Ça serait bête de perdre... de perdre les frais de port, des fois, pour 1 euro. Hein. Donc, voilà. Après, moi, j'ai déjà reçu des colis de chez eux. J'ai déjà fait des partenariats avec eux, hein, comme vous le savez. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Franchement, j'ai jamais été déçue. Là, je suis actuellement en train d'en faire une chez eux aussi. Je suis en train d'en faire une. Je vais vous la montrer. Et j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Alors. Donc, c'est une 30 sur 40. Donc, vous voyez, on retrouve bien leur petit logo sur l'étoile. Voilà. On retrouve... ici, toutes nos références. On le retrouve également de l'autre côté. On a le petit pain de colle, la petite barquette blanche, les stylets. On en a deux de stylets. Alors, on a deux stylets avec différents... ces stylets blancs, tiens, ils ont changé. Avant, c'était les roses. Donc, les stylets blancs comme ceci. Avec des multiplaceurs, un de 10 et un de 4. Ouais, c'est écrit, donc je peux vous le dire, c'est écrit. Donc, un multiplaceur de 10, un multiplaceur de 4, avec les embouts traditionnels. Et ils ont également mis des sachets zippés. Alors, on va regarder ça ensemble. Parce qu'habituellement, chez Adjamon Painting, ce sont des sachets zippés. Habituellement, sont déjà dans les sachets zippés. Et là, je ne crois pas. Alors, on va peut-être regarder tout de suite du coup. Alors, je ne sais pas si ils ont changé leur façon.
Regardez, tout est dans ça. Alors, c'est des ronds. Tout est en sachet ribambelle. Alors que avant, chez A German Painting, tout était en... Je ne vais pas vous montrer, hein. Vous savez très bien, voilà, vous voyez un petit peu la gamme de couleurs. Voilà, des diamants restent des diamants. Hein. Donc, c'est des diamants ronds. Alors, cette toile-là, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, mais eux. Et du coup, il y a une feuille de route. Alors, mais dans celle que je suis en train de faire... non. Alors, dans celle que je suis en train de faire, j'ai pas de feuille de route de chez eux. D'ailleurs, il me semble que toutes les autres, jusqu'à présent, n'ont jamais eu de feuille de route. Il faudrait que je regarde dans mes vidéos, mais je ne pense pas. Et tout était dans des sachets zippés. Donc, maintenant, c'est dans les sachets ribambelles. Et on a une feuille de route. C'est pas plus mal, de toute façon. Et on a quelques sachets zippés pour ranger. Bon, c'est vrai qu'il y en a avant, ils les faisaient directement avec les sachets zippés, mais bon. Donc... du coup, cette toile, c'est une toile qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 couleurs. Puis chez Adjamon Painting, habituellement, c'est pas des sachets, c'est pas des papiers comme ça. Ils ont vraiment changé leur site, je dois vraiment avoir changé. Parce que il y en a beaucoup qui commandaient pas parce que c'était des feuilles transparentes. Et ben j'ai bien l'impression que je vais aller vous chercher après celle que je suis en train de faire du précédent partenariat. Et vous allez voir. Bon, vous aurez une vidéo hein, après qu'elle est terminée. Bon, voilà, je vais l'arrêter là. Alors vous voyez, c'est un couple qui s'embrasse. Voilà, est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Voilà, c'est un couple qui s'embrasse. Je vais vous remontrer la photo, vous verrez peut-être mieux sur la photo. Voilà. Alors. Je pensais que c'était des rivières, mais non, absolument pas. Donc, j'ai aucune rivière. Regardez, ça colle bien. Il n'y a aucun problème avec cette toile. Alors, donc, celle-ci. Donc, du coup, voilà pourquoi je les avais ouvertes avant, juste pour récupérer ça. Pour moi, voir un petit peu les prix. Alors, le couple, il est à 8,45€ sur leur site. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Hein. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ensuite, au niveau des... alors, il y a bien tous les petits ronds, vous savez. On voit bien que c'est une toile pour les diamants ronds. Et bon, les couleurs, ouais, on arrive bien à différencier, hein. Alors, bah, comme d'habitude, donc il y a des chiffres, des lettres et des symboles. Bon, elle va pas être, elles vont pas être faites tout de suite, parce que j'ai encore quelques petites choses à faire avant. J'ai encore d'autres partenariats à terminer, mais bon, voilà. Notamment des partenariats avec Adjamon Painting aussi. Donc voilà pour la première petite toile.
faire nos styles en route. Voilà. Et la suivante. Alors, celle-ci, c'est moi qui, par contre, qui l'avais choisie. Alors, 30-40, c'est 30-40 avec les bords. Hein. Donc, ils doivent bien avoir changé leur façon. Et ensuite, j'ai pris, donc, moi, celle-ci. Alors, donc, toujours ce que je viens de vous présenter juste avant. Donc, on retrouve les deux stylets, la barquette, les pains de colle et les petits sachets zippés. On retrouve à nouveau les sachets en ribambelle. Donc, apparemment, ils ont dû arrêter hein, les sachets zippés. Et on a également la feuille de route. Voilà. Donc, c'est une 30 sur 40. Alors, celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 couleurs. C'est une 25 couleurs. Alors, par contre, ici, on ne retrouve pas leur logo à German Painting sur celle-ci. Voilà, et elle est faite de la même façon. Alors, bon... Avant, c'est vrai qu'on pouvait pas vérifier du coup. Enfin, on pouvait vérifier le nombre de sachets, mais on pouvait vérifier les sachets. Mais maintenant, on peut tout contrôler. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, par contre, je vais pas faire le contrôle avec vous. Voilà la toile. Voilà. Une femme avec un papillon. Haut en couleur. Voilà. Je trouvais ça vraiment très très joli. Il y a beaucoup de couleurs dedans. Ouais. Moi, c'est bête, hein, mais je vais dire que je retrouve là-dedans des couleurs un peu automnales. Il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du rouge. Ouais, je trouve, alors voilà, ça fait pas une. Toi avec de l'automne sur le thème, mais les couleurs sont automnales. Voilà. Alors, chez German Painting, comme sur beaucoup d'autres sites, quand ils appellent un 30-40, c'est 40. Voilà, toile complète avec les bords. En ce qui concerne la toile en elle-même, elle fait 35 sur 25. C'est bien ça. Elle fait 25 sur 35. Ouais, 25 sur 35. D'accord, enfin, chaque fois, on levait 5 cm par rapport à ce qu'ils nous disent au niveau des toiles. Voili, voilou. Alors, on va remettre ça. Voilà. Moi, j'aurais pu en laisser un petit peu déborder par ici. Alors, on va le remettre. On va l'enlever. On va remettre. Bon, elle colle bien. Elle colle bien. Je vous assure. Regardez, la toile se lève toute seule. Donc, elle colle bien. Par contre, j'ai de la colle sur la table. Bon, c'est pas grave. Collé sur la table, c'est pas gênant. J'ai collé sur la table, elle colle encore bien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve des symboles, des chiffres et des lettres aussi. Et on les voit très bien. Ouais, on les voit très très bien. Donc voilà, je suis étonnée parce qu'habituellement, enfin moi j'ai toujours eu chez German Painting des toiles surprises, hein, en fait, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Quand on accepte le partenariat, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et là j'ai été étonnée qu'ils me contactent en me demandant de choisir une toile
Voilà une toile préférée sur le site. Voilà, bon, elle est bien remise. Alors, je vais juste passer un petit coup de truc après, donc je ne vais pas la ranger là, tout de suite, tout de suite. Bon. Ensuite, ils m'ont également mis des stylets. Alors, ils m'ont mis plusieurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y en a un tout seul et trois autres. On va les regrouper ensemble, du coup. Alors, ils m'ont mis les stylets qui sont à 5,07 €. Voilà comment ça se... J'en avais déjà eu dans les autres partenariats avec eux. Et là, ils m'en ont remis. Donc, voilà comment... donc, c'est comme des tubes de rouge à lèvres. Et voilà. Et on diamante comme ceci. Voilà. Je vais pas les remettre dans les deux sachets. Alors, du coup, les stylets sont à 5,07 € sur leur site. Le couple que je vous ai montré, la première toile, est à 8,45 €. Et cette dame toute colorée, donc femme et papillon, elle est au prix de 8,45 €. Je vais vous montrer donc la toile que je suis en train de faire actuellement. Mon organisation, elle est à chier là sur cette vidéo, on est d'accord. Alors voilà celle que je suis en train de faire actuellement de chez A Diamond Painting, le petit chat. Regardez, franchement, la pose est nickel chrome. C'est du rond aussi, hein. La pose est nickel chrome. Alors chez eux, vous retrouvez du rond et du carré, hein. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. Chez eux, habituellement, c'est des sachets, c'est du papier transparent. Vous voyez, c'est du papier transparent. Et là, ben, c'est blanc, hein, c'est des papiers blancs. Et habituellement, chez eux, on retrouve, vous voyez, on a tout dans des sachets comme ceci. Vous voyez, donc c'est numéroté comme ça. Et du coup, on a tous des sachets zippés pour chaque... Voilà. Donc, je pense qu'ils ont dû changer, selon moi, ils ont dû changer leur... ouais, ils ont changé leur façon de poser, hein, puisque... Enfin, leur façon maintenant, pas de poser, leur façon de faire. Puisque maintenant, on les retrouve dans les sachets zippés. Avant, c'était... maintenant, on les retrouve dans les... maintenant, on les retrouve dans les... dans les chapelets, en fait, on appelle ça comme ça, un chapelet ou une ribambelle. Et avant, on les avait en sachet zippé. Pour celles qui n'aimaient pas le papier, maintenant, on les retrouve sur du papier blanc. En transparent, maintenant, on les retrouve sur du papier blanc. Voici, voilà. Bah, écoutez, franchement, moi, je suis jamais déçue de la Diamond Painting. Franchement, la seule fois où j'ai été déçue, je le répète, c'est la box que je m'étais moi-même achetée où j'avais eu trois toiles de la Saint-Valentin dedans. Trois toiles sur le thème de la Saint-Valentin pour une box mystère avec trois thèmes pareils. Voilà, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, au niveau, pour faire les toiles, au niveau de, voilà, faire les toiles, franchement, au niveau des toiles, moi, je suis jamais déçue de la pose des diamants. La pose est tout le temps bien. Chez eux, je vous répète, ils font du rond ou du carré. Voilà. Là, ça tombe que je suis en train de tirer un rond et là, j'ai deux ronds. Parce que j'avais commandé une ronde. Parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup. Enfin, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de ronds à faire. Donc, j'avais pris à un moment beaucoup de carrés. Et là, je me rends compte que, ben voilà, maintenant, ça devient mitigé. J'ai bien du rond et du carré. Donc, du coup, voilà. Du coup, pourquoi j'ai pris ça. Sur ce, ben, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Lévi. Et également la boutique A Diamond Painting pour ce partenariat et pour leur confiance. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, tout le monde. Bye bye !